Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ok, s'il vous plaît, présentez-vous. Je me prends au nom de Pénin Poufana, il est de la 12e, sciences sociales, au sein du lycée Kikou. Ok, vous êtes très bien habillée là. Est-ce que c'est comme ça que vous avez l'habitude de vous habiller si ce n'est pas le mois de Ramadan? Parce que j'aime vraiment fort. Oui. J'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Je viens toujours comme ça à l'école. D'ailleurs, notre école, ce n'est pas une école dont on vient dans les genres comme tu veux. Quoi. Là-bas, l'habillement est bien visé. On règle tout avant de rentrer à l'école, dans les classes, dans les cours de l'école de maths. Donc, j'ai toujours l'habitude de m'habiller comme ça, même si ce n'est pas de rentrer. En plus, ça, mon frère est un imam. Donc, je ne sors pas comme n'importe quel fille. Je sors sans les règles, sans respecter les règles de la maison ou de la société. Et peut-être que vous aurez un message à lancer à l'endroit de nos jeunes filles qui n'avaient pas l'habitude de s'habiller concrètement si ce n'est pas le mois de Ramadan. Vous aurez peut-être un message à leur dire. Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à leur dire. Je leur conseille juste de rester tel que tu es. Que ce soit le mois de Ramadan ou pas, une fille doit se respecter. Mais de rester bien au corps, de rester bien toujours au bout de l'habillement. Quand une fille s'applique très bien, même si tu sors dans la rue, on peut te respecter à travers ton habillement. Mais pour moi, j'ai l'habitude de m'habiller comme ça. Je vais pas changer ça. C'est devenu mon quotidien maintenant. Donc, ce qui traduit que ce soit le Ramadan ou pas, vous habillez très bien comme ça. Je m'habille comme ça. D'accord. Merci de nous avoir accordé votre temps. Bonne journée. Bonsoir.